Non, je me souvenais qu'il y avait des renforts là-haut. Je suis planté ou c'est juste qu'ils mettent 10 ans à arriver? Tu vas y aller avec la hache en acier, ça devrait t'aider un petit coup. Mince, tu vas rester vaguement par ici pour l'aider si besoin est. Titania, pareil, je pense. Je veux dire, on ne sait jamais, pour y avoir des renforts parce que je me suis avancé. Vous, Merlin Acier, achète. J'ai envie de les attirer sans nécessairement qu'ils tuent qui que ce soit. On va juste utiliser Ike en mode sac à viande. Les deux ont été sélectionnés. Non, mais maintenant oui, et il n'y a personne qui peut faire autre chose. Le truc aussi à éviter, bien entendu, c'est d'attirer le boss trop vite. Que oui, vous pouvez passer par ici, attirer le boss de ce côté-là, même avec art, et tuer, finir cette carte en 7 ou 8 tours, j'imagine. Mais je pense que vous perdez beaucoup trop d'expérience. Parce qu'à nouveau, c'était combien? 1250 expérience bonus? 1250 expérience bonus, ça représente pas 1250 expérience donnée. Ça représente juste, enfin vous avez bien vu, hein, un niveau, 50 points d'expérience à ce niveau, c'est... C'est 800 ou 900 points, donc je veux dire, les points d'expérience donnés, là par contre, sont beaucoup plus rentables si vous les récupérez naturellement que si vous les récupérez par BXP. Et c'est de plus en plus le cas au fur et à mesure que le jeu avance, pour ça qu'ils tendent à donner d'énormes sommes, d'énormes valeurs de BXP. Bien. Surtout pour lui faucher sa carte agonie à l'autre, c'est pas que je m'en intéresse à ce point. Bien. Mais ça peut servir. Tu le doubles même pas. Boy, je suis vraiment très déçu. Ouch. Bon, pas grave. Ouf. J'avais peur qu'il y ait des renforts en bas aussi, de sorte que j'étais bien dans la mouise. Mais heureusement, non. Alors, déjà, on va sauvegarder la bataille. De la préférence à chaque tour. Ike, tu vas te mettre... de toute façon, c'est lui. Donc, toi, tu vas te mettre juste là. Comme ça, Soren pourra se mettre ici et balancer de la foudre sur ce type. Et en plus, la précision optimale. Either, tu vas me faire le plaisir de lui emprunter cette carte. Je veux dire, mine de rien, c'est du pognon. Non, je ne vais pas m'en servir pour attaquer. Je veux dire, j'ai aucune unité. Alors, attendez. La carte agonie a combien? 8? 8. Ce qui est plutôt puissant, hein, je ne nie pas. Donc, 12 de magie. Enfin, 12 de dégâts. 18 de dégâts. Peut pas l'utiliser, peut pas l'utiliser. 12 de dégâts, 10 de dégâts, 16 de dégâts, 13 de dégâts. Ah oui, ça, toi t'as eu un point. 17 de dégâts, 18 de dégâts, 11 de dégâts. Alors, 10 de résistance, 11, 13, 12. Bon d'accord, ils ont pas une énorme résistance, j'admets. Mais quand même. Je vais pas faire beaucoup de dégâts avec ça. Donc Soren, tu vas te mettre ici pour pouvoir lui balancer un petit coup de foudre dans la face. Et tu restes en plus en soutien avec Ike, de sorte que ça va te permettre de grimper ce niveau plus rapidement, que ce soit en foudre ou en rang de soutien. T'en es où à la foudre? Oh waouh, t'en es au tout début. À côté, tu utilises le tome rang E. Faudrait que je t'en donne un meilleur. Le problème, c'est que meilleur signifie en général moins de précision. Zio. Mia, tu vas aller lui taper dessus. Je vais te mettre ici, je pense, André. Je sais qu'il est loin, mais par paranoïa pure, on va... Je veux m'assurer que... Mia, t'es lié à personne, je crois. Elle a un lien avec Chris. Ok, pourquoi pas. Zéro précision, waouh. Bien. Je suis content qu'elle n'ait pas activé sans armes, là, tout de suite, parce que j'aurais trouvé ça plutôt moche. Que ben, il aura déjà agi pour choper un truc qui s'en rendra mieux. Un en force. Mais pourquoi pas. Je veux dire, à nouveau, elle a, je pense qu'elle a maxé ses PV. Donc c'est pas très utile de lui donner plus 5 en PV, mais écoutez, au moins c'était fait. Oh, elle a maxé sa dénigre et sa vitesse, en sachant ce que je peux gagner, c'est force, défense, résistance, force, chance, défense, résistance, donc et magie, je suppose. Donc je vais pas... je veux dire, elle a gagné en force, c'est bien, c'est un truc qui lui manquait de toute façon. Ouais, mais il y a du soin et l'expérience qu'il donne est pas si élevée que ça. Je préfère que Rhys soigne en toute honnêteté. Rolf, est-ce que t'as une chance de pouvoir le tuer sans te faire massacrer? La réponse est oui, tu. Normalement, je devrais donner à Nefeni là, mais j'essaye de donner un peu de chance à Rolf de pouvoir gagner un peu d'expérience et de briller. Yeah, Ike. Voilà, Nefeni, tu vas t'avancer ici.
Toi aussi, parce que à nouveau, je suis presque sûr qu'il y a des paladins qui vont se ramener par ici, donc je suis au moins en position pour pouvoir les massacrer si je le désire. Ce qui est lourd, c'est que toi, t'as 17 de vitesse et toi, t'as 19. Waouh. T'es pas très doué, Boyd. Tu le massacres. Donc, je préfère encore laisser ma Boyd le gérer tout seul comme un grand. Il n'y avait pas des renforts, s'il y avait des renforts. On va s'occuper de toi d'abord. Donc, toi, tu lui ferais... 18 x 2, donc c'est bon. Et 18 x 2. Donc on va le passer à la lance, bien sûr, parce que notre adversaire a une épée. Épée! Mais on tue l'archer, parce que sinon, on pourra pas le tuer autrement. T'en es... Ouais, non, t'es un as, donc t'as pas besoin de t'inquiéter. Vous allez battre en retraite. Boy, tu vas te mettre ici. Je préfère l'éloigner un petit peu au cas où la situation tourne au vinaigre. Mais normalement, là, il devrait bien l'affaiblir au prochain tour. J'ai espéré que... bah déjà, peut-être qu'il va gagner un peu en force. Allez, Boy. Waouh! Il a même gagné en reste. La vache, ça, c'était un bon gain de niveau. Il a gagné en vitesse et tout ça. Ça va pas être suffisant pour doubler le type, malheureusement. Mais... Boum, pile poil. C'est déjà mieux que rien. Et Captain Hart va gagner. Ah, je savais bien qu'il y avait des renforts à un moment ou à un autre. Donc s'il n'y a plus grand chose, le mieux que je puisse faire éventuellement, c'est d'attirer certaines Weavers ou je sais pas quoi, mais j'ai peur que les attirer me cause des problèmes. Oh, ce type au marteau est pile à un mauvais endroit. C'est dingue. J'ai pas envie d'attirer le boss. J'ai pas envie de prendre le risque du tout. Vous savez quoi, je pense qu'on va battre en retraite de ce côté-là. On va remonter en direction. Ah, tu vas peut-être récupérer ton épée par contre, je veux dire, crotte. On va remonter directement. On essaiera peut-être d'attirer certains de ces types ici. Achète, achète. Ouais, il y a un tir là-bas, je pense. Attendez, qui... Te fragile en dernière. J'ai vraiment... Je veux surtout éviter d'attirer par mégarde le boss. Parce que si je dois tuer le boss, c'est tellement d'expérience perdue que ce n'en est même pas drôle. Parfait. Un petit coup de soin sur Nefeni. Idéalement, j'aimerais vraiment essayer de faire en sorte qu'ils rattrapent tous leur retard, si possible. Oh, t'as vraiment du mal à faire ne fût-ce qu'un dégât, quoi. Bah malheureusement, je n'ai pas le choix. Non. Dernièrement, je pourrais le laisser se balader où il veut. Par contre, je pense pas que t'aies la force pour pouvoir... ouais, non. On va garder ça comme ça. Et Mia, justement, je pense que je vais t'envoyer ici avec l'épée vent. Et je suppose qu'on a Captain Har là-haut. Mais c'est vrai qu'on a un gros tas de paladins. Et j'aimerais éviter de les donner au, à Har. Donc, tu vas juste battre en retraite vers nous. Et il est proche du niveau 15. Mais l'idée, c'était justement que les autres se rapprochent du niveau 15. Pas que... Les... Enfin, voilà. Essayez de... Ah bah les voilà, je me disais bien qu'il y avait des enfants en bas aussi. Bref, normalement personne ne peut vraiment l'aider. Ce type a choisi le pire endroit pour battre en retraite. Tout court. T'es niveau 10, t'es niveau 4. Tu le tues techniquement. 62. Nah, t'es le plus bas en niveau. Arcassier. Boum. Voilà, un casse-pied de moins. Plus que 10 927. Vous deux, vous êtes du gros paladin, mais vous m'inquiétez pas beaucoup. Nefeni, est-ce que tu penses que tu peux t'en charger? Je vais imaginer que oui, t'as un javelot. Tu vas garder Soren à côté de toi et... Ah oui, il va là-dedans. Arcassier, épieuacier, c'est tout. Ouais, je vérifiais juste qu'il n'y avait pas d'objet bonus. Tu vas déposer Etherpeel derrière, parce qu'après tout, bonus, tout ça... Ma Boyd, tu vas en retraite et également tu prends la hache en acier.
Keenan, tu te mets là. Ike, tu te mets là. Art, tu reviens parce qu'ils sont beaucoup, donc je risque d'avoir besoin d'en liquider quelques-uns. Rhys, tu vas te mettre ici, histoire de pourquoi pas. Toi, tu vas te mettre là. Et notre ami Mia. Alors, faut que je me méfie parce que j'ai pas envie que ben, ce type va se ramener. De toute façon, malheureusement, je pense que c'est clair. Comme de l'eau de roche. Donc, au final, j'ai des doutes sur mon idée initiale. Je pensais qu'il bougerait, ces types. Par curiosité. 33%, 13. Ce type a 31 dégâts, mais toi t'as que 16, donc tu prends quand même 16. On va sauvegarder la bataille. Je veux voir comment ça tourne, mais j'ai peur que ce que je fasse soit en vérité relativement une mauvaise idée. Puisqu'elle va forcément attirer la Wyvern. Et j'ai peur que la Wyvern lui fasse très très mal. Après, d'un autre côté, si elle pousse à battre en retraite ou etc., ça peut être... cool. Pensez que... ah non, j'avais dû faire que la première. Bon, d'accord, très bien. Bon, tant pis. Bah écoutez, c'était du gâchis. C'est du gâchis, mais c'est pas grave. J'aurais préféré que ça tape. Oh, oh! Hein, pour le moment, ça se passe bien. Et eux qui se ramènent. Et encore d'autres renforts. Pour ça, je vois pas l'intérêt de me dépêcher dans une carte comme celle-là. Mais là, vous voyez, ils sont beaucoup trop. Alors, vous avez quoi exactement? Épée acier, épée acier, épée acier, arc acier, épée acier. Boyd, plus je regarde et moins tu me convaincs. Mais bon, on verra. Il n'y a pas eu d'enfant en bas, non. Bon. On va sauvegarder déjà. Alors, comment on peut s'y prendre? Boy, tu vas pas être très efficace dans cette histoire. Je pense que ça va être Ike et Art qui vont devoir bloquer un peu la situation. Art, tu peux au moins tuer ce type et nous faire montrer. Et nous démontrer. Quoi. Oui, non, tu as gagné un niveau là. Tu as monté au niveau 15. Ah! Bien la vitesse, bien, bien, bien. Épée, non, ça change rien de réel. Au contraire, toi, il vaut mieux que je te laisse vivre. Donc, ça te max ta vitesse, ce qui est cool. Et ta force, de toute façon, elle doit probablement se maxer à 29 ou 30, donc pourquoi pas. Ouais, ça va. Après, c'est normal, hein. Il commence très haut et j'ai pas eu de problème à lui donner un gros bonus en BXP. Donc, en BXP, en transfert donné. Bah écoute, un coup d'étard. Enfin, deux, techniquement. Là. Rolf, je pense que tu peux te permettre d'attaquer ce type. En fait, même, toi, t'as quoi? T'as 17 de vitesse, t'as 8 de critique. Mais toi, t'es trop loin, donc de toute façon, ça sert à rien de se poser la question. Mais toi, t'as 8 de critique, donc 14 de chance, c'est tranquille. Et t'as assez de vitesse pour pas risquer de te faire doubler, donc profite. Vous savez quoi, toi aussi, profite. Boum. Je veux dire, elles sont là pour ça. Alors, comment on s'y prend? Toi, normalement, je pense que tu dois pouvoir défoncer ce type à coup de... ouais. Bah écoute, tu l'achèves, comme ça c'est fait. Flon. Soren, tu dois pouvoir gérer le deuxième. Du moins, je l'espère. Quack. Ok, il a fallu qu'il ait le point de vitesse. Dague en fer, x2. Écoute, tu peux le faire. J'ai dague en fer, elle peut le faire. Malheureusement, ça n'est pas assez. Est-ce que Shinon, t'as une chance de... non, tu vas probablement le tuer. Non, très x2. Si tu critiques pas. Ouch. Eh ben, ça donne des gens qu'il faudra soigner. Et j'aime pas ta précision, je préfère de l'optimal.
Oh, vous savez, par contre, Miss, t'as un sacré moment comparé à ce pauvre Rhys. Bah écoute, Miss, tu vas aller soigner au moins Shinon, parce que... Quitte à au moins qu'il y en ait un qui soit soigné sur les deux. Et toi, tu vas t'avancer là, parce que, au cas où. Et maintenant, il nous reste plus que... Mia... On va sauvegarder la bataille, parce que soit je ne fais rien et je laisse Mia se débrouiller... Soit je lui sors la lame acier, non. L'épée acier, non. La lame acier, non. Le dracocide. Voilà, elle pourra pas riposter face au team, mais au moins ça fait une ou 20 qui viendra plus nous enquiquiner. Ouch. Sans surprise, il tape celui qui ne pourra pas riposter plutôt que d'infliger des dégâts réellement décents. Pourquoi vous attaquez à Ike? Je sais que Art est techniquement plus haut niveau, quoique ouais, techniquement c'est mieux en fait. Ça fait plus d'XP. Bah, surtout que Art a l'avantage de l'arme et il est plus haut niveau et il a plus de dev. Donc, ouais, effectivement, mieux vaut attaquer Ike. C'est surtout que. Esquive. Bien. Au prochain tour, comme ça, je vais pouvoir la mettre en face de lui et utiliser une épée un peu plus puissante que l'épée de vent. Ok, ça par contre, c'était pas prévu. Lance acier, Merlin acier. Bah, écoutez, au pire, si je te mets l'épée acier, tu le tues. Bien sûr, on va sauvegarder, parce que j'ai pas de raison de me dépêcher. Je le ferai en dernier, parce que comme ça, si les choses se sont mal passées, blablabla, bla bla, mais ouais. Rhys, tu vas pouvoir soigner directement. On va continuer à partir sur la droite, je veux dire. Ah, en bas à gauche, il y a surtout deux. Gus en fort, donc je veux dire, s'ils se ramènent encore, bah écoutez, ils nous poursuivront, et puis on les tuera quand ils viendront. Mais de toute façon, on est obligé d'aller par là-haut pour pouvoir liquider tous les ennemis restants et atteindre le boss plus facilement. Surtout que j'ai envoyé Mia à l'intérieur pour commencer à trucider du genre. Alors... Ah oui, il nous reste un Gus au fond. C'est quoi, Rolf? Tu vas devoir nous démontrer tes capacités en le laissant t'attaquer. Et toi, je suppose que tu vas t'avancer ici au cas où. Sauvegarde. Cours. On va occuper les blablabla. Et un coup d'épée en acier, puisque de toute façon, sa pression reste maigre. Impeccable. Et ça me donnera une arme de corps à corps pour les deux paladins qui vont se ramener sur ma face. Heureusement, je crains que le mage puisse m'atteindre désormais. Non, de peu. On va bien voir. Donc lui, il revient et il attaque Rolf, mais comme il a son maximum de mouvement, de toute façon, il ne pourra pas s'enfuir. Et petit niveau supérieur quand on y est. Niveau 5. Mais. Pas excellent. Esquive. Bon, l'initiative était pas mal. Esquive. Et pas mal, il va s'enfuir maintenant, comme le lâche qu'il est. Pas loin. Pas d'initiative. Critique. Yeah. Ah oui, si les critiques étaient simplement x1.5 ou même x2, j'aurais aucun problème avec. Parce que je partirais du principe que malgré tout, ça reste, ça fait du dégât décent sans être non plus. Par curiosité, l'épée vent le tue ou pas? Oui, je risque de le faire pour que ce type-là crève. Par conséquent. Mais x1.5 ou x2, je trouverais que c'est suffisant. Je suis pas convaincu que ce soit nécessaire d'avoir mis du x1.25 milliard. Ouais, vas-y, attaque, ça fait un peu d'expérience bonus. Et si tu le coup critique, ben tu le coup critique et c'est tout. Et si tu ne le coup critiques pas, ça me donne plus d'options. Donc, toi, de toute façon, tu vas te faire soigner. Voilà. Toi, tu vas te faire soigner aussi. Qui je donne le kill? Soren n'a pas la portée de toute façon. Ike, non. Boyd est niveau 10. Je vais le donner à Soren. Soren n'a pas la portée, je vais le donner à Soren. Je vais le donner à Rolf. Critique. Watch. Et je suppose que vous deux, vous pouvez discuter un petit peu. Attention. Ah, je vais tenter. Quoi que ce soit, on vient de problème. Boyd est là. Ne prenons pas de risque sur le champ d'attaque. Vous voyez, c'est tellement inintéressant. Je veux dire, vous pouvez les passer carrément. On va faire avancer. Bah, de toute façon, là, ça va être le moment de s'occuper de Mister. Je vous balance des attaques à l'autre bout du continent. Vous avez toujours le classique, je les laisse griller ces 5 tours et puis ensuite je le dégomme. Si à nouveau le bonus d'expérience ne vous intéresse pas, ce qui est mon cas.
Mais... enfin, le bonus éclair de cette carte. Mais... c'est quand même plusieurs... ah, zut, j'aurais pu discuter. Plusieurs tours à juste attendre que les choses se passent. Donc, c'est un peu naze. En plus, ça laisse les renforts arriver. Donc, ouais, c'est... peu importe. C'est comme vous pensez, le mieux. C'est pas comme si je pouvais vraiment vous donner des suggestions stratégiques. J'ai voulu faire la stratégie, mais non. Défense, bien, cool. Écoutez, si elle gagne un point... elle a maxé tellement de ses statistiques désormais que si, même si elle gagne qu'un seul point par niveau, c'est un peu naze. Je préférais qu'elle gagne un point en résistance, par exemple. Mais je veux dire, elle gagne en force, elle gagne en défense. Écoutez, moi, je prends. Toi, t'es en super positif et moi, je suis en neutre. Mais j'ai l'impression qu'elle monte, donc... t'as 18 de critique. Elle a 19 de chance, donc... vas-y, viens, je t'attends. Voisin est resté l'un à côté de l'autre. Voilà. Tac. Initiative. Blanc. Oh, et elle le tue en deux coups en plus. Elle esquive tout, la vache. Et elle a des armes estibles, ce qui était un peu inutile en deuxième coup, mais hé. Hey.